même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle est viré, lors d'un batibulé, chez Fidel Kajabé. Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en Access Prime sur votre chaîne locale pour votre toute nouvelle émission. Vous le savez maintenant, hein, vous êtes nombreux à nous suivre, enfin, paraît-il, ATG Tonight Show. On a changé un petit peu le décor, vous le voyez, il y a des moyens supplémentaires. Il faut vous dire qu'on a licencié quelques personnes et regardez le résultat. Ce soir, nous recevrons des invités merveilleux comme toujours, mais juste avant, celle qui est ma complice, devant ou derrière les caméras, on ne sait pas encore, j'attends qu'elle cède. Voici Vanessa Gittens. Vanessa ! Bonsoir. Bonsoir ma chère Vanessa. Alors vous m'avez dit en préambule, ne me faites pas tourner, et bien évidemment je vais vous faire tourner. Évidemment. Installez-vous. Comment ça va chère Vanessa ? Très bien, et vous ? Ben voilà, vous m'avez manqué, tout de bleu. Les yeux bleus, presque. On aurait dit même un cocard, on s'est lâché sur le maquillage, c'est quelque chose. Bien, eh ben, en tout cas soyez la bienvenue. Chère Vanessa, comme toujours, la question de toujours, savez-vous qui l'on reçoit sur ce plateau ce soir ? La concurrence. Non, 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 je m'insurge Vanessa, c'est pas la concurrence, c'est la fraternité, c'est une consoeur, c'est presque l'amour finalement. Et sans votre femme, n'oubliez pas. Oui, pardon, comme tous les soirs. Tati Léodate, je t'aime. Bien. Alors, on reste concentré parce que oui, on reçoit une femme d'exception, une femme selon mon cœur, selon le nôtre, hein, puisque vous êtes nombreux également à la suivre en radio, où elle sévit depuis de nombreuses années maintenant. Merci, chère Vanessa, d'accueillir Nadine Félix. Chère Nadine, merci. Salut, Jean-Paul. Je fais attention à ce que je voudrais pas offenser. Non, mais allez-y, chère Nadine, merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur ce plateau et comme je... Mais merci à vous. Comme je le dis souvent, effectivement, et puis vous le dites aussi, hein, on n'est pas concurrent. On est confrères. C'est de la confraternité, voilà. Je dirais. Alors, on n'est pas concurrent, bien sûr, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais c'est sain aussi d'avoir de la concurrence parce que je crois que quand vous êtes seul, on attend tout de vous. C'est bien de pouvoir un peu partager les responsabilités. Et puis on abuse aussi quand on est tout seul. Parfois, il faut reconnaître aussi. En tout cas, c'est ce que vous nous reprochez souvent. C'est ce que certains pensent. Ça pique dès le début. Bah, écoutez, on est là pour ça. J'aime bien, on joue le jeu. Non, honnêtement, il faut reconnaître, la responsabilité est énorme quand on est seul. Donc c'est bien, moi je trouve, de les partager un petit peu. Alors ce soir, ATG reçoit Guyane Première, en tout cas, et on est heureux. Nadine, avant de parler de vous, dans le détail, on vous offre à boire parce qu'ici, on a peu de moyens, mais on est généreux quand même. Vous me proposez quoi, de l'eau ? Bien sûr. Non, du champ flore. Alors, attention, rien n'arrête la générosité. Et comme je dis souvent, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Merci, mademoiselle. Voilà, on va nous servir un petit verre d'eau, une petite douceur. On a du citron ? Non, apparemment, on n'a pas de citron. Voilà, ce sera une eau plate. D'accord. L'eau du robinet, ça va très bien. La municipale, ça me va. Aussi. Alors, Nadine, on entre un petit peu dans le détail. On ne dit pas ce genre de choses, normalement. Merci, mademoiselle. Voilà, très bien, parfait. À température, comme toujours. Merci. Parfait. Mademoiselle. Voilà. Alors, on ne dit pas ce genre de choses, je le disais. Excuse-moi, mais oui. je fais comme chez moi, mais dimanche, c'est la journée des droits de la femme. Oui. Voilà, ça me gêne un peu. Alors, chère Nadine. Elle a quel âge ? Elle est majeure. Si. En tout cas, ses parents, quand ils nous l'ont déposée dans une caisse, ils nous ont dit, allez-y, elle est majeure. Non, elle est majeure. Et en plus, on aura des hommes dans cette émission. Ah, c'est bien. Ah, voilà. Il en faut aussi. Non, on a servi tout le monde. Ça sert parfois. Ouais. Alors, justement, ma chère Nadine, c'est le genre de choses que je disais en préambule qu'on ne dit pas. 43 ans ?
Vous l'avez dit. Mais voilà. Et même un peu plus, vous savez. C'est vrai maintenant ? Bientôt. Ah, ma bio bientôt, date. Un peu alors. Plus. Elle date d'un an. Bon, d'accord. Nadine, des enfants ? Oui, j'ai deux garçons. Oui. Bon, mm-hmm. On ne connaît pas un petit peu votre vie, bah, votre écoutez, vie privée. Voilà, vous êtes très discrète. J'ai deux garçons, l'aîné à 20 ans, le plus jeune à 13 ans. Oui. Ils font quoi ? Mm-hmm. Ils font des études. Alors, mon fils est étudiant, il fait un BTS d'hôtellerie-restauration, il est à Marseille. Le journalisme ne l'intéresse pas ? Non, aucun des deux, je crois. D'accord. Aucun des deux. Le plus jeune, il ne sait pas encore, mais il a un peu de temps encore devant lui. Nadine Félix a grandi, bien sûr, dans une famille aimante, une famille qui aime la musique. Absolument. On y reviendra également. Les études se sont passées où ? Sur la Guyane ? Non, alors les études se sont passées, elles ont commencé à Clermont-Ferrand, puis on a bifurqué vers Aix-en-Provence, Marseille, d'où le fils qui est à Marseille maintenant, etc. Et puis elles se sont terminées à Paris, avec du journalisme. Et un retour après, forcément, au pays. C'était important de revenir au pays après ces études ? C'était mon but, hein. Moi je suis partie vraiment pour mes études, je ne suis pas partie pour autre chose que ça. Mm-hmm. Parfois la vie elle nous emmène dans des chemins de travers un peu. Je me suis retrouvée avant de rentrer, j'ai vécu un peu en région parisienne, je me suis retrouvée 2 ans à Djibouti, j'ai voyagé un petit peu, puis finalement en 1996, mon fils était né. Oui, c'était important de rentrer à la maison. Ouais. Alors la Guyanaise aussi, en tout cas comme tous les Domiens en métropole, a souffert aussi, j'imagine, un petit peu. Honnêtement, quand on est jeune, oui, on souffre parce que quand on vient d'une famille. Ah, ça veut dire qu'il y a eu des soirées, il y a eu des beuveries, il y a eu. Voilà. Que... Ouais, d'accord. Il faut savoir reconnaître les choses. Ouais. Hein. Oui, je viens d'une famille nombreuse, donc ma famille me manquait, mes sœurs, mon frère, mes parents. Oui, la Guyane m'a beaucoup manqué. Chaque fois que l'avion atterrissait, quand je rentrais en vacances, j'avais toujours les larmes aux yeux. Mais très honnêtement aussi, c'est important, je crois, aussi de voir autre chose, voir ailleurs, de voir le monde, voir ce qui se passe autre part que chez nous, quoi. On parle de l'expérience des chœurs Henri et Marie. Oui. Ouais. Alors c'est la chorale de la famille, hein, de absolument. Papa et maman. Mais je suis née dedans, je vais dire, je suis née dedans. En fait, la chorale a été créée, j'avais 6 ans. Ouais. Mes parents sont tous les deux professeurs de musique. Ils avaient envie de réunir des jeunes autour d'eux pour chanter. Donc quand en 77, ils commencent à réunir quelques élèves, etc. Mon frère et moi, on est les deux tout petits devant. Et puis voilà, et puis la chorale, bon ben c'est aujourd'hui, c'est, je vais pas dire de bêtises, mais 35-36 ans d'existence. Déjà. Oui. Ouais. Voilà. Alors, je voudrais savoir quel regard vous portez sur l'actualité aujourd'hui, en sachant que maintenant l'information passe plus vite sur les réseaux sociaux que par la télé. Ah oui, alors ça c'est compliqué. Alors ça c'est compliqué. Vous savez, je suis rédactrice en chef d'un service radio. La radio, c'est la rapidité, l'immédiateté, etc. Et effectivement, on est très souvent confronté à des informations qui nous devancent sur les réseaux sociaux, sauf que sur les réseaux sociaux, j'alerte vraiment ceux qui nous regardent là-dessus, sur les réseaux sociaux, l'information est rarement vérifiée. Et du coup... On peut dire un peu tout et n'importe quoi, hein, finalement. Il y a tout et n'importe quoi. Et on passe désormais, notre travail a un petit peu évolué, parce qu'on passe désormais vraiment beaucoup de temps à vérifier et contre-vérifier des informations qui sont déjà sorties, qui ne l'ont pas été auparavant, et qui parfois sont fausses. Mais aujourd'hui, en tout cas, les grosses rédactions incitent un petit peu le client lambda à devenir l'observateur, finalement, pour une question de pratique aussi. Bah, écoutez, c'est un peu le fonctionnement actuel. Il faut un peu lutter contre ça, parce que je pense qu'on a aussi un rôle... Et moi, c'est comme ça que j'envisage mon métier. On a un rôle pédagogique important. Il ne suffit pas d'apporter l'information aux gens. Il faut aussi leur donner des éléments pour qu'ils puissent se faire leur propre idée, pour qu'ils puissent faire leur propre analyse, leur donner des pistes d'analyse. Ça ne veut pas dire que nos analyses ne sont pas forcément les meilleures et les uniques analyses possibles, mais ça leur permet, eux, de nourrir leur réflexion pour se faire la leur. Alors, Vanessa, elle s'intéresse aux professionnels. C'est normal. Moi, j'aime bien, je suis un peu fouillaya. Et puis, quelque part, j'ai envie le mari Tatilo, c'est normal. Je suis le mari de ma femme. Donc, très concrètement, j'ai envie de savoir, en dehors du boulot, est-ce que vous avez des activités, des passions, alors, des loisirs ? Qu'est-ce qu'elle fait, Nadine Félix, quand elle rentre chez elle ? Souvent, Nadine Félix, quand elle rentre chez elle, la vaisselle. Il faut faire ça aussi. Hein. Ben oui. Il faut faire ça aussi quand on est mère de famille. Ça fait partie, faut pas se le cacher, ça fait partie des tâches de tous les jours. Mais je suis aidée aussi en cela, il faut reconnaître à la maison. Donc là, c'est un clin d'œil au mari ? Oui, absolument. Absolument, voilà. Qui, lui aussi, on partage bien les tâches ménagères. Donc, bien. Donc, le bien. Donc, oui, un homme mais bien c'est important. Soumis. Bien.
Non, un homme, voilà, un homme qui a compris qu'il faut aider la parité. De notre temps, un homme de notre temps. Un homme de notre temps et qui effectivement a compris que quand sa femme travaille, eh bien, elle a exactement les mêmes contraintes que lui. Non, pas du tout. Il est dans quel domaine, ce monsieur? Sans donner de détails. Il est réalisateur à Guyane Première. Ah ben voilà. Vous êtes rencontrés là-bas? On se connaissait un petit peu déjà, mais oui, on va dire que les choses se sont faites là-bas. D'accord, c'est mignon comme tout, c'est une belle histoire. Vanessa, peut-être qu'un jour... Non, d'accord. Non. On ne sait jamais, il ne faut pas dire Vanessa. Alors, qu'est-ce qu'écoute comme musique Nadine Félix? Avant qu'elle nous réponde, nous on s'est dit, bon, on vous a regardé, on m'a dit Johnny. Ça sera un petit peu plus. D'accord. Oui, alors, bon, allez comment je vais vous dire ça? Johnny Hallyday, pour moi, c'est un artiste extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui a su vraiment traverser toutes les périodes et se faire aimer, se faire apprécier de toutes les générations. Et surtout, il a une qualité qu'on retrouve chez quelques interprètes ici aussi, il faut le dire. Il a une qualité d'interprète particulière. Vous pouvez donner à Johnny n'importe quelle chanson, il en fera un tube. Il arrivera à en faire quelque chose de magique, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je respecte parce qu'on met beaucoup en avant les auteurs, les compositeurs, etc. L'interpréter, la qualité de l'interprétation. C'est notre star française, finalement. On a quelques stars, quand même, comme ça. On a des stars guyanaises aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Des éloges jeunesse. Que j'aime bien. Tonton Jo, forcément, j'en parle souvent parce que c'est forcément la période. Oui. Mais ça a été aussi un collaborateur pendant des années. Alors, ça a été un collaborateur, un collègue. Ça a été quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses. Et puis voilà, je parlais des interprètes. Tonton Jo, c'est exactement ça. Tonton Jo a traversé les temps. Tonton Jo pouvait tout chanter. Mm-hmm. Il travaillait avec toutes les générations. Et ça fonctionnait toujours parce qu'il avait cette qualité d'interprète. Bon, au moins on est un petit peu plus fixé. Johnny Hallyday, quelques artistes locaux forcément. Est-ce que vous connaissez, c'est un chanteur, moi je dirais c'est un maître chanteur, un certain Hugo. Ouh là là. Vous l'avez rencontré, je crois. Oui, je l'ai rencontré, j'ai un peu peur de lui. Vous pouvez. C'est notre chroniqueur, Hugo, qui a un humour très particulier, téléspectateur, mais vous le savez maintenant, vous l'avez découvert il y a quelques jours dans ATG Tonight Show. Eh bien oui, Hugo fait le portrait de l'invité. Je vous aime, je vous aime pas, c'est son truc. Alors c'est à prendre vraiment au 38e degré, je le dis souvent, parce qu'on reçoit déjà des lettres de menaces de mort pour lui. Sa femme a peur. Ils l'attendent quelquefois devant. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, les gens attendent. Je suis venue avec ma valise de tolérance et de. La susceptibilité dehors. Il faut venir avec le conteneur de tolérance quand il s'agit d'Hugo. Voici Hugo Prof avec Je vous aime, je vous aime pas. On a qu'à Hugo. Bonsoir. Nadine, tout le monde l'aura compris, ici sur ce plateau et les téléspectateurs aussi. Vous êtes un intrus dans votre propre famille. Et oui, je me pose donc cette question. Ça commence bien. Je me pose cette question. Est-ce que c'est vous qu'on a vu traverser l'Atlantique avec d'autres réfugiés? Bon, en tout cas, vous êtes bien adapté en Guyane, c'est une chose qui est certaine. Oui. Si bien que, eh bien, à présent, on peut le dire, vous avez un emploi qui vous permet de porter un regard sur ce qui se passe ici en Guyane et de le faire savoir à tous. Ça, vraiment, c'est à féliciter. Mais soyons directs. Vous aviez Sidi Bépalu comme journaliste planqué. Alors, c'est pas Palu, hein, c'est Palude. Palude, ouais. Paludiste, d'accord. Derrière des spots, donc il était planqué derrière des spots, et vous, à présent, planqué derrière un bureau. Dites-moi, c'est une stratégie de Guyane Première de mettre dans l'ombre ses lumières. Ah, ça c'est joli ça. Ça c'est gentil ça. Alors, il faut que je réponde là? Pas tout de suite. Pas tout de suite, d'accord. Il est chronométré, après on le vire. Voilà. Alors, mais moi je vais juste dire, ben non, je suis pas dans la lumière justement, c'est bête, hein, mais puisqu'il me tend la perche et qu'il faut lui répondre quand même. Oui, vous êtes dans l'ombre, je suis désolée. Derrière le micro. Ben non, j'ai une émission tous les soirs en radio, 18h20, et vous me verrez demain en télé également. Elle n'est pas planquée derrière un micro. Elle arrive derrière un micro. Voilà. Un micro, d'accord, posé sur le bureau. Comme quoi, bon, en tout cas, pour savoir justement, puisque vous faites de la télé demain, etc., et de la radio, j'aimerais écouter votre voix. Et pour cela, un petit défi pour vous. Je vais vous donner quelque chose. D'abord, avant de vous donner cette feuille, j'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez. Good morning, Vietnam! Voilà, c'était Robbie Williams. Regardez la tête de Nadine Félix. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut Robin faire? Je ne comprends pas. Robbie Williams dans Good Morning Vietnam, c'est un très vieux film. En fait, il joue le rôle d'un journaliste, d'un chroniqueur à la radio pendant la guerre du Vietnam. Vous savez qu'il y a des DVD qui sont sortis maintenant, hein, parce que là, vos trucs de cassette des temps, temps jadis. VHS, hein, toujours. Alors, j'aimerais que vous puissiez refaire ça, Good Morning Vietnam, en changeant le texte, aussi en slamant le texte que je vais vous donner maintenant. D'accord ? Donc on va recommencer, si vous pouvez. Eh bien...
simplement dire ceci. Et, désolé, j'étais pas au courant. Et slammer. Alors, il y aura donc cette phrase et après slammer sur la musique. Attendez, on va commencer avec la musique. Et vous êtes chef de chœur là aujourd'hui. Alors, je dois quoi ? Je dois slammer avec ça ? Slammer avec le début, comme vous venez de l'entendre. Ah oui, d'accord. J'ai un peu compris l'idée. Donc, la première phrase, comme vous l'avez entendu, et après slammer sur le reste. Alors, good night la Guyane. Jusque là, ça va ? Oui. Ok. Je n'aime pas les grenouilles, oui, elles me fichent la trouille. J'ai parcouru rivière et piste, c'est pour ça que je suis journaliste. Vanessa Jordan Hugo, c'est le dernier qui est le plus beau, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui. Car moi, je n'en suis pas convaincue tout à fait encore. Merci beaucoup. Merci Nadine Félix, je vais te prêter au jeu. Bon. Oui, j'ai peur des grenouilles, oui, c'est vrai. Voilà, Hugo. Ah oui, il est venu chez vous et apparemment, il y a une histoire avec une grenouille. Bon, enfin, on n'en dira pas plus. En tout cas, Nadine, merci. Vous êtes, c'est vrai, une femme qui préfère les mots que les notes, hein, par rapport à votre famille. Et certainement, eh bien, ils auraient dû vous mettre à la batterie quand vous étiez jeune. Mais pour le sérieux dans votre travail, pour le sérieux dans votre travail, pour l'amour du partage de l'information, mais aussi pour pouvoir bien gérer votre vie professionnelle avec la vie personnelle, c'est pour ça que je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Oh, bah bravo. Merci Hugo. Merci. Voilà, c'était Hugo prof. Bah ça va, il est pas si méchant finalement. Non, c'est que ça s'est bien passé. Voilà, à part le coup des grenouilles là, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on vous a entendu slammer, on comprend pourquoi vous êtes journaliste. Bon, chacun son métier, bah, je suis pas chanteuse non plus, elle a bien dit. On retrouve Vanessa pour la petite question de Vanessa. Vanessa aussi, hein, derrière son sourire se cache parfois voilà, une jeune fille un peu inquiétante qui pose des petites questions, une petite question. Il y en a toujours une seule, mais une efficace. C'est un peu notre snipeuse, Vanessa. Alors Nadine, vous travaillez dans un monde un peu de macho. Est-ce que vous avez dû vous imposer en tant que rédactrice en chef ? Oui, je crois que savoir, c'est un petit peu compliqué, non ? Oui, Vanessa nous disait qu'elle a entendu des petites choses. Pas toujours facile de s'imposer en tant que femme, que ce soit à Guyane Première ou ailleurs dans le monde du journalisme. Surtout à votre place, rédactrice en chef. Pas de langue de bois, Nadine. La question est très sérieuse. Oui, oui bien sûr. Dimanche, je l'ai dit, hein, c'est la journée des droits des femmes. J'ai pas forcément l'impression de travailler dans un domaine de macho particulièrement. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. En revanche, il est vrai que quand j'ai été nommée, quand je suis devenue rédactrice en chef, j'étais à la tête, et je le suis toujours d'ailleurs, à la tête d'une rédaction d'hommes. À 85%, je vais dire, quasiment que des hommes qui, pour la plupart d'ailleurs, sont plus âgés que moi. On a grandi ensemble, on va dire, dans cette rédaction. Donc, il a été effectivement un peu compliqué de sortir de la posture de collègue au même niveau pour devenir leur responsable et leur chef. Ça n'a pas forcément été simple. Pas simple pour eux, pas simple pour moi non plus. Je dois le reconnaître. Maintenant, ce sont des personnes intelligentes. C'est une équipe à laquelle je rends vraiment hommage parce qu'on fait vraiment de belles choses ensemble, je crois. Pour ceux qui nous écoutent, notamment le matin, où on a une matinale très, très dynamique. Ça, c'est la partie Très, mais forcément, voilà. Je suis là pour ça aussi. Eh oui, écoutez-nous, c'est 92.0. Voilà, là, c'est le moment, il faut couper, les gars. Voilà, donc tous les matins, on a vraiment une équipe très dynamique. Et je leur rends vraiment hommage parce que je considère que tout cela, c'est pas la rédactrice en chef qui réussit, c'est pas son adjoint Bertrand Villeneuve qui réussit, c'est vraiment l'équipe ensemble, et parce que on croit tous ensemble à ce qu'on fait. Donc oui, il faut s'adapter, manager des hommes quand on est une femme et qu'on vient pas. On a souvent tendance à dire nul n'est prophète en son pays, c'est un peu vrai. Je pense que je serais partie ailleurs et j'aurais été nommée ailleurs avec des gens qui ne me connaissent pas forcément. Ça aurait été plus facile pour eux comme pour moi. Là, il a fallu un temps d'adaptation, mais ça s'est fait rapidement. Bon, et puis en tout cas, les résultats sont là. Voilà, donc, voilà. Comme vous le disiez, ils sont âgés, ils ont une tendance à mourir, donc ils restent jamais très très longtemps. Voilà. On va retrouver le deuxième invité, justement. C'est Vanessa qui va nous le présenter. Voici l'invité numéro 2 d'ATG Tonight Show. On y va. Nadine Félix, Madame Jean-Jean. Enchantée. Alors, comme vous le savez, bientôt, dans quelques jours, c'est la journée de la femme et le club Soroptimiste, excusez-moi, évidemment, organise une journée exposition talent de femmes. Eh ben, elle va nous en parler, Madame Jean-Jean. Alors, justement, maintenant que tes présentations sont faites, parlez-nous de cette journée. Alors, durant cette journée, qui est bien sûr la journée de la femme, oui. Qui normalement est le 8 mars, mais bon. Nous allons commencer les festivités depuis le samedi 7 mars. Donc, c'est une journée durant laquelle nous allons permettre à certaines femmes
de nous faire part, enfin, de nous faire connaître leurs talents, culture, sculpture, couture, coiffure, enfin un petit peu de tout quoi. Mmh. Et c'est une exposition, pas une exposition vente, une exposition. C'est pour permettre à ces jeunes femmes de se faire connaître justement lors de cette journée. Et puis c'est une journée qui va se dérouler donc de 9h jusqu'à 17h. Et à l'issue de cette journée, un prix sera remis à la femme qui sera la plus méritante. Donc celle accompagnée du plus bel homme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous embête. Alors justement, comment se passe la sélection des exposantes ? En fait, nous n'avons pas fait de sélection. Ce sont des femmes qui se sont présentées d'elles-mêmes et qui ont présenté leur projet, enfin ce qu'elles font. Et puis donc, elles vont venir participer à l'exposition et si possible, faire une démonstration de leur art. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je plaisantais, mais les hommes, bien évidemment, sont conviés. Hein, c'est aussi l'occasion, messieurs, de rendre gloire à ces dames. Hein. Important, Nadine Félix, hein, des associations comme le Sort Optimiste. Oui, très important. Important de rappeler que cette journée est une journée, c'est pas la fête des mères, je le dis moi, chaque année. C'est pas la fête des mères, c'est pas l'anniversaire des femmes, c'est pas la journée des grands-mères. C'est une journée pour rappeler le chemin parcouru pour que l'homme et la femme soient vraiment reconnus en tant qu'individus. Différents mais égaux, c'est important et c'est important aussi de mettre en avant celles qui parfois, effectivement, un peu comme le signalait Vanessa tout à l'heure, doivent se battre un petit peu pour réussir. Un peu plus que, peu plus que nous. Moi, c'est forcément. J'ai toujours voulu être une femme de toute façon. Hein, vous êtes pas loin. J'ai une petite question pour Nadine. En parlant d'égalité, est-ce que vous avez le même salaire qu'un rédacteur en chef homme? Elle va répondre, parce que ça, c'est un moment important. Alors, on va en parler après. Vous restez là avec nous, Madame Jean-Jean, parce qu'il y a un moment dans l'émission aussi qui est important et qu'on aime que les téléspectateurs suivent aussi. C'est le morphing utile. Vous savez ce que c'est que le morphing, mesdames? Oui, Madame Jean-Jean, le morphing, on prend un visage, on en prend un autre, on les brouille, on les mélange, on en fait quelque chose et ça donne, voilà. Bon, ça donne quelque chose d'assez inattendu. Il va falloir reconnaître dans ce morphing qu'on a réalisé bah, qui on a morphé, qui on a mélangé. Regardez vos écrans. Voilà, les téléspectateurs vont pouvoir voir cela. Et attention, morphing. Alors, qu'est-ce qu'on a morphé, Nadine ? Ah, mon frère et moi. Mon frère et moi, c'est ça ? Ça peut être ça. Ça peut être ça, non ? J'ai l'impression. Ça peut être ça. Bon, le sourire, c'est moi, je suis sûre. Ouais. Voilà, le nez peut-être aussi. Mais j'ai l'impression que le haut du visage ressemble un peu... Alors, qui dit morphing utile dit qu'on va débriefer juste après ce morphing. On va vous poser une question en rapport avec celui avec lequel on vous a morphé. Bah, la réponse, tout de suite, sur vos écrans. Ouais. Hop. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. C'est Loïc. Ouais. Loïc Félix. Mon petit frère. Le petit frère, le ténor. C'est la première fois. Ouais, c'est vraiment sympa comme photo. Moi, je peux partir avec, je peux la voir. Je vous l'enverrai. Merci, ouais, c'est vraiment sympa. On n'a pas de moyens pour imprimer, ouais. Je vous l'enverrai. Bon, plus sérieusement, ça permet de rebondir sur, sur cette ambiance avec, avec ce frère que vous aimez particulièrement. Bien et sûr, c'est mon seul frère. Oui, c'est votre seul frère, mais parfois on a un seul frère et on ne veut pas le voir. Non. Et là, c'est pas votre cas. Vous l'écoutez même, votre frère? Bien sûr, oui, mon frère est chanteur d'opéra. C'est une vraie fierté déjà pour une famille de chanteurs comme ça. C'est une fierté, mais non, je tiens à dire, voilà, on est cinq. Et la fierté, c'est tout le monde. D'accord. Parce que Loïc est dans la lumière, je le suis moi ici, mais j'ai ma sœur Diane qui est peintre en décor et qui fait aussi de très belles choses. J'ai une sœur à Sainte-Marie qui est psychologue scolaire et quand j'arrive à Sainte-Marie, les choses s'inversent parce que je deviens la sœur 2. Ah oui. Voilà. J'ai une sœur qui est dans les soins à la personne, elle est esthéticienne, elle est en même temps aide-soignante et chaque fois que quelqu'un me parle d'elle, on me dit mon Dieu, ta sœur, c'est extraordinaire. Ouais, moi, c'est pareil, mon petit frère. Il est en prison et tous ses coachs détenus me disent, tu vois, ton frère, il nous a... C'est pareil. Voilà, donc effectivement, voilà, je veux dire que chacun, même s'il y en a qui sont peut-être plus en lumière que d'autres, moi, mon métier c'est d'être devant les caméras, d'être derrière un micro, donc effectivement, c'est public. Il y en a qui ont des métiers. Mais il y a un rapport entre Loïc et vous, quand même. Ben, Loïc et moi, alors déjà, Loïc et moi, je suis l'aîné de la famille, ouais. Loïc arrive juste après moi. Quand on était gamins, les parents nous ont fait passer à l'école pour des jumeaux, d'ailleurs. C'était amusant. Oui, on est assez proches. Loïc est chanteur d'opéra et
c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas. Quand il vient ici, qu'il donne, comme il a fait dernièrement, il y a quelques mois, il a donné un récit à l'encre, on a un aperçu, on a un dixième de ce qu'il est capable de faire. Quand on le voit sur une scène d'opéra, c'est un milieu fermé. Puis avec les moyens qui sont là-bas et qui les sont moyens qui sont qu'il y a, les rôles qu'il a à jouer, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et moi, je me retrouve dans la salle et je vois ça et j'ai envie de dire, enfin, dans la salle, dans ce superbe opéra avec des gens habillés. C'est mon frère. Et voilà, j'ai envie de leur dire, mais c'est mon frère qui est là, vous vous rendez même pas compte. Personne vous croit, le gars que vous applaudissez là, qui est tellement extraordinaire, qui est tellement fort dans ce qu'il fait, etc. Voilà, il vient de Guyane. Ouais. Il vient. C'est important. Il le dit d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. C'est une vraie fierté pour lui. Comme tout bon Guyanais que nous sommes, chers amis, direction la plage, direction les criques, et parce qu'on est sur notre télévision locale, on a une météo des plages et des criques, s'il vous plaît, Madame Félix. Bravo. Bravo, hein. Bon, voici la météo des plages et des criques, avec la belle Wilma. Wilma, qu'on retrouve. Ça va, Wilma? Avec toujours ces petites tenues de nos partenaires de Banana Moon. Oui. Magnifique. Vous êtes jolie comme tout, Wilma. Voilà, ravissante. On va visiter des criques encore aujourd'hui. Hein. Bien sûr, comme d'habitude. Comme d'habitude. Moi, vous voyez, j'ai mon maillot de bain juste en dessous. Je vous suis. Allons-y. Direction les plages, les criques de Guyane. On y va. C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Demain, nous serons le jeudi 5 mars 2015 et pour ce bulletin, direction les chutes de Fourgassier, une des chutes les plus connues de notre département et aussi un des sites touristiques les plus visités de la commune de Roura. Située sur la route de Caux et en bout de piste en latérite récemment refaite, ces chutes sont propices à une baignade rafraîchissante. L'endroit est aménagé et entretenu malgré parfois la présence de déchets. Alors surtout les amis, soyez civiques et protégez notre belle nature locale. Allez zou ! Enfile à la mer où les oiseaux chantent déjà vos plongeons et où le soleil, on le souhaite, sera ton rendez-vous. De rares averses à l'intérieur des terres feront leurs apparitions alors que sur les communes du littoral, le soleil sera bel et bien présent. Les plages du littoral seront en effet calmes dans la matinée, mais la prudence est toujours de rigueur. La température sur les départements sera de 23 à 29 degrés et l'eau sera à 26 degrés. Pour nos embarcations nautiques, nous avons une pleine mer à 3h55 de 2,90 m et une basse mer à 9h58. Demain, nous fêterons les olives. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Il est déjà l'heure de se quitter, mais promis, juré, craché, on se retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne, pour notre météo des plages et des criques. Moka Bozot, à demain. C'est presque trop court cette émission, je vais me plaindre au directeur d'antenne, hein, monsieur Gilles Vernet, donnez-nous une heure, donnez-nous une heure. Payez-moi une heure, payez-moi une heure. Bon. Nadine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vraiment, vous revenez quand avec vous plaisir, voulez. Je me suis bien amusé. Puis invitez-nous aussi à Guyane Première. Bah écoutez, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est vrai, c'est vrai. Mais on nous a laissé à la pension parking. Carnaval. On nous a pas fait rentrer. Non, mais c'est vrai, en tout cas, et on a de très bons rapports. Et puis je vous remercie d'être venu nous voir. Je vous en prie. Bon, allez. Vanessa, on se retrouve demain. Et oui, à demain. Madame Jean-Jean, que dois-je faire pour être suroptimiste? Être une femme. Bon, merci en tout cas, puis on rappellera bien évidemment le calendrier hein, de ces journées importantes. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous et hop, c'est là-haut que ça se passe. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, en Access Prime sur ATG pour The ATV TATG. Ça y est, je mélange avec nos amis des Antilles, mais aussi la Guadeloupe et la Martinique qui nous regardent. Donc ATG Tonight Show, même heure, même station. Bye bye, je vous fais de très gros bisous. Demain on sera avec DJ Versity. Allez, bye bye.